Et là, pour aplanir le dessus et le dessous, on va utiliser en fait du papier émeri. Alors là, on va utiliser du papier émeri 400. Si j'ai, ça serait formidable. Oui. On va utiliser le tas, la partie très très plane. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des mouvements circulaires. C'est-à-dire, imagine que tu dessines un 8 ou un signe d'infinité avec tes doigts. Voilà, tu prends, tu saisis la pierre et tu fais un 8. Comme si tu dessinais un 8 à l'horizontale. La raison pour laquelle il faut aller dans tous les sens, c'est que ça va permettre de faire quelque chose où la pression est répartie également des deux côtés. C'est très important. Et on fait pareil de l'autre côté. Il faut que ça soit fait des deux côtés parce qu'il faut que ça soit beau des deux côtés et il faut vraiment que ça soit plane, voilà, que ça soit très très plat. Voilà, imagine que tu fais un 8 à l'horizontale, voilà, avec du papier émeri, grain 400, c'est largement suffisant. Une fois que c'est fait, tu vas voir que déjà rien qu'avec ça, normalement, ça a dû aplanir, voilà, il ne devrait plus y avoir de démarcation, de trucs pas cool qu'on ne voudrait pas. Là, alors ça c'est ma spécialité, si tu peux éviter de faire ça comme moi, c'est mieux. Tout faire tomber. Donc là, je vais redonner un petit coup en dessous, juste pour être sûre. La base qui va être posée donc sur la plaque d'argent qui va être soudée, je vais donner un autre petit coup parce que je trouvais que c'était pas assez plat. Alors, est-ce qu'on est bon? Oui, là je suis contente, le bas. Et pour vérifier que ça touche bien, en fait, le plus facile c'est de mettre ça directement sur la plaque. Et en fait, d'incliner légèrement sous la lampe et de regarder la base si tu vois des zones d'ombre ou des trous. Et là, je vois absolument rien, donc c'est absolument parfait. Donc c'est super. Donc là, à cette étape-là, on est bon pour commencer notre soudure.